Mon rêve, c'est d'être Max Level. C'est long! Je ne montrerai jamais le niveau. What the hell is this? I hate this game so much. Oh, j'en ai marre d'être une noob. Je vais être Max Level. Si tu es dans cette situation, t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Alors, la première astuce pour gagner plus de niveau rapidement, c'est de ramasser tout le temps le maximum de pièces que tu peux, soit 40 pièces si tu n'es pas élite et 50 pièces si tu es élite. Ouais, parce que quand vous ramassez 40 pièces, vous gagnez beaucoup plus de XP que si vous vous cachiez, par exemple. Anyways, prochaine astuce. Avant de poursuivre la vidéo, si vous aimez mon style de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour rater absolument aucune de mes vidéos, à liker, à commenter ce que vous avez aimé ou si vous avez des idées de vidéos et à partager la vidéo. Poursuivons la vidéo. La deuxième astuce de gagner, pour gagner plus de niveau dans Murder Mystery 2, c'est de pas team. Yeah, you heard me, I said don't team! Quand tu ne tues pas ton ami, ta bestie, ta soeur, ton frère ou ta vie, tu vas perdre la ronde automatiquement parce que tu vas perdre beaucoup, 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 beaucoup de XP. Quel XP tu perds? Non seulement tu perds le XP de kill ton ami, ta bestie, ta soeur, ton frère ou ta vie, mais aussi tu perds le XP de la victoire en tueur et c'est beaucoup de XP que tu perds. Mais aussi, c'est injuste pour les autres qui ne peuvent pas avoir le gun pour gagner. En gros, tu brises leur plaisir. Mais oui, mais c'est ma soeur! Mais oui, c'est ma bestie! Don't care, don't care, don't care, still don't care. I don't care, I don't. Aller dans un serveur privé, ça coûte seulement 10 Robux. Et si on n'a pas de Robux, on fait quoi, hein? Ben, vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans des petits serveurs, avec deux personnes dedans et espérer qu'ils partent, ou bien ne tuez pas des gens et juste célébrer avec votre ami. Si vous voulez faire des 1v1, essayez d'inclure les autres. Faites des 1v1 avec les autres aussi. Faites des 1v1 avec les autres aussi, ils seront très contents de le faire, ça leur fera absolument plaisir. Ça, le serveur ne sera pas toxique, tout va bien se passer, tout finira bien. La prochaine astuce, c'est d'acheter le Game Pass Elite. Moi-même, j'ai acheté le Game Pass et je trouve que ça vaut la peine seulement parce qu'à chaque ronde, tu gagnes 1,5 fois plus de XP pour chaque ronde. Donc, même si tu te caches et que tu as Elite, tu as 1,5 fois plus d'XP. Même si tu ne fous rien, tu as 1,5 fois plus d'XP. Yeah! En faisant toutes ces stratégies, c'est ça qui m'a permis d'être max level en seulement 5 mois. Je blague pas, ok? C'est vrai. Bref, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!